Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi, Fabien Obadia, bonjour. Bonjour. Donc, qui est VP by Business Development chez AF83. Oui, c'est ça. Donc, si vous pouvez nous présenter cette société. Alors, AF83 est sponsor de l'événement. Hein. On est très impliqué dans l'open source. C'est vraiment une culture d'entreprise. On a un esprit très communautaire dans l'entreprise. AF83, c'est une entreprise qui fait une cinquantaine de personnes, qui a un bureau à Paris et un bureau à San Francisco. On a été créé en 2006. On fait à peu près 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Notre métier, c'est vraiment de concevoir et de développer des plateformes numériques pour nos clients. Vraiment plateformes numériques au sens large. Hein. Pour ce faire, on a une équipe d'une cinquantaine de personnes qui est répartie en trois pôles principalement. Il y a un premier pôle qui est le pôle UX, User Experience, dont la charge est de faire la stratégie d'usage et de la conception d'expérience utilisateur. Donc on a une dizaine de personnes. Une deuxième équipe qui, une fois que le service numérique est conçu, va développer et donc faire en sorte que ce beau concept dans la tête de tout le monde tourne en vrai sur un ordinateur. Sur un ordinateur, un mobile ou n'importe quel device. Un terminal, ouais. Voilà, un terminal. Et donc, on a à peu près 25 personnes. Et enfin, un pôle communication digitale hein, qui s'appelle AF83 Media et bientôt DBH pour Digital Brotherhood. Qui fait de la stratégie de communication digitale, du social media et du brand content. Très bien. Alors les domaines d'expertise précis de AF83. Alors on a de par les projets sur lesquels on a travaillé, de par notre expérience, acquis un certain nombre d'expertises. Le premier, je dirais, c'est dans le traitement du temps réel, qu'on a appliqué principalement au traitement du live pour les médias. Hein. Aujourd'hui, France Télévisions, par exemple, a utilisé cette expertise hein, pour développer son live. Et aujourd'hui, on cherche vraiment à développer cette expertise et à pousser cette expertise qu'on a dans le traitement du live pour un certain nombre de médias qui soient... D'accord. Ouais. Donc là, une offre, je dirais, assez orientée médias, communication. Voilà, c'est ça. Vous avez dans une offre live, aussi hein, dans le... Ouais. Dans live. D'accord. Dans le domaine du e-commerce aussi, je crois. Oui, tout à fait. On a acquis une expertise dans le traitement IT des marchands dans le cadre des galeries marchandes. Là. Aujourd'hui, vous savez que les marketplaces hein, ou les galeries marchandes comme Amazon, Rue du Commerce et d'autres se développent très fort. Hein. Vous êtes aujourd'hui un e-commerçant très puissant avec un trafic fort sur votre site. Vous souhaitez étendre votre périmètre et votre terrain de jeu et vous allez proposer à des marchands moins connus que vous de bénéficier de votre trafic pour vendre leurs produits. Donc c'est extrêmement compliqué d'intégrer les catalogues et les offres de tous les e-commerçants, les petits marchands et donc on développe cette expertise qu'on est en train de pousser. Très bien. AF83, demain Les grands chantiers pour vous Alors les grands chantiers, c'est pousser des offres sur lesquelles on a acquis des expertises, hein, de se recentrer sur nos domaines de compétences et de s'exporter encore, hein, puisqu'on a déjà un bureau à San Francisco, mais de s'exporter un peu plus en Europe et en Amérique du Nord, de par l'expertise qu'on a acquis, de par les projets qu'on a réalisés et menés à terme. Très bien, bah merci beaucoup pour cette présentation de votre activité, de votre société hein, qui sponsor de l'Open World Forum. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.